Chers frères, chères sœurs, le quatrième dimanche du carême, le dimanche du Lectare, comme le troisième dimanche de l'Avent, celui du Gaudete, on aime plutôt prendre la couleur de l'aurore, le rose ou le blanc-violet, à la place du violet total de la mort, pour signifier la proximité de l'événement attendu, mais presque déjà là. La Pâque du Christ et la naissance de l'Emmanuel à nos portes. Oui, aujourd'hui, nous chantons « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. » Dans cette antienne d'ouverture, les substantifs, la joie, l'allégresse, et les verbes « réjouissez-vous, exultez » appellent comme à la fête, lieu d'expression effective de la joie dans son débordement. Pourquoi fêter? Quelle est la raison exacte de cette fête? Le salut pour les condamnés ou les perdus. La résurrection ou la vie en abondance pour les morts. La vérité et la lumière pour ceux qui étaient dans le mensonge et les ténèbres. Voilà la raison de la fête. Prendre conscience de cela, c'est savoir que dans notre monde, malgré le mal et la souffrance, malgré nos turpitudes et nos faussetés, Dieu fait toujours grâce et n'arrête pas de faire grâce. Il fait grâce de lui-même, pas à cause de nous, à cause de quelques mérites de notre part. Non, Dieu fait grâce gratuitement de lui-même. C'est le sens même de la grâce, c'est-à-dire de l'action gratuite de Dieu en notre faveur. La première lecture nous le montre clairement. À cause de l'endurcissement dans le péché, finalement, dit le texte, il n'eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous les palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Fin de citation. C'est alors l'exil et le règne des païens. Puis, longtemps après, alors que rien ne pouvait le présager des seules forces des Juifs, par le bras d'un autre roi païen, Cyrus, l'exil prend fin avec la reconstruction du temple de Jérusalem. Que ce soit par un roi païen que la reconstruction du temple de Jérusalem, la maison de Dieu, soit décidée et entreprise, montre clairement que la grâce de Dieu est vraiment gratuite. Aucun acte juif ne pouvait l'obtenir. Seul l'amour miséricordieux de Dieu l'offre gratuitement. C'est conscient de cela que saint Paul écrit dans la deuxième lecture, je cite, « C'est bien par grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. » Fin de citation. Oui, chères sœurs, chers frères, notre salut nous est donné gratuitement et seule la foi nous permet de l'accueillir et d'y adhérer. Et ce salut s'appelle le Christ. Saint Paul l'affirme encore, je cite, « Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités, il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. » Fait de citation. Nous comprenons alors l'extrait de l'évangile d'aujourd'hui. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Ce Fils est donc la grâce en plénitude de Dieu qui nous aime sans réserve. De cette grâce découle une responsabilité humaine, la foi et la vie de foi, qu'est la joie authentique. La responsabilité humaine découle de la grâce divine et non pas le contraire. Ce n'est pas la responsabilité humaine qui fait la grâce, mais c'est bien celle-ci, la grâce divine, qui convoque celle-là, la responsabilité humaine, la foi et la vie de foi. Dès lors, face au mal, quel qu'il soit, il n'y a plus de place au désespoir, à la désespérance, jamais. Croire en Jésus, Fils de Dieu, comme grâce en plénitude du salut offert à l'humanité, c'est adhérer, sans réserve, à sa résurrection et s'engager à accomplir les actes du salut. Qui s'y engage réellement et qui le vit véritablement ne peut qu'être dans la joie et l'allégresse. Jean-Louis Brugès, reprenant un mot d'André Gide, écrit « Joie, 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 je sais que le secret de votre évangile, Seigneur, tient tout entier dans ce mot divin, joie. Tout chrétien qui ne parvient pas à la joie rend la passion du Christ inutile et par là même la grave. » Fin de citation. Oui, la joie évangélique, la joie de la résurrection, la joie totale, la joie du salut. Mais que signifie-t-elle exactement? Y a-t-il une différence entre cette joie et un simple plaisir? Nous savons que le plaisir est bon, tant qu'on ne l'exagère pas. Et le temps du carême, c'est aussi le temps de la modération dans les plaisirs. Mais doit-on aussi cultiver la modération dans la joie? Pas du tout, chers frères, chères sœurs. S'appuyant sur saint Thomas d'Aquin, Servet Pinkaers enseignait que le plaisir a sa cause dans un bien extérieur, tandis que la joie nous vient de l'intérieur. On a du plaisir à toucher un objet, à manger un dessert, à voir un spectacle. La joie, quant à elle, procède directement d'une action que l'on a faite, d'une œuvre que l'on a accomplie. On éprouve de la joie d'avoir fait plaisir à quelqu'un, d'avoir été généreux, perspicace, courageux. On ressent de la joie quand on s'est privé d'un bien pour qui est dans le besoin, lorsqu'on s'est donné de la peine à longueur de temps pour composer une œuvre de valeur, pour avoir accepté des sacrifices en faveur d'une cause qui le mériterait. On ne dira pas qu'on prend du plaisir à se priver, à se sacrifier, mais bien qu'on y trouve de la joie si l'on la fait de pleine volonté. La source de la joie réside au fond de nous-mêmes, dans notre personnalité intelligente et libre, cause de nos actes. Fin de citation. Et c'est ma dernière citation aujourd'hui, Bernard Hering écrit « Toute notre existence, y compris les expressions de notre visage, devrait annoncer au monde que nous tenons notre origine de la débordante béatitude de Dieu qui nous a appelés à célébrer avec lui une fête éternelle de délices et de joie. » Chères sœurs, chers frères, soyez dans la joie. Cultivez la joie totale pour être en pleine communion avec Dieu. Amen.
rassemble.